Gặp nghệ nhân Phan Văn Mạnh vào những ngày đầu xuân, sân khấu Múa Rối Nước của Bác được đặt tại nhà Bác. Phần lớn khách đến đây là khách nước ngoài, không chỉ xem múa rối nước mà còn muốn tìm hiểu như cách làm con rối và được trải nghiệm biểu diễn múa rối nước nữa đấy. Và đặc biệt hơn là những câu chuyện của Bác rất là cuốn hút người nghe. Nhà nhanh là có cái nghề múa rối này là mọi đời. Là ông nội anh mới bố anh còn 92 tuổi mà cụ xây dựng nhà tháp núi Trung ương từ năm 1964 là xây dựng nhà tháp núi Trung ương. Đấy, đầu tiên đấy. Nhưng mà ông nội của bố. Ông nội bố. Đồng từ sông Hoàng Bé, cây sông Bè. Nó phải thông xưa là mang nét xuất lô. Năm 1980. Nước sông 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 Cát rồi. Năm 1980 ông bố anh là sang Ba Lan để cùng với Bộ trưởng Văn hóa ngày xưa đấy. Vâng. Giới thiệu cái múa rối nước Việt Nam. Thì ông nước sông Tắc Đà Vang, sông Pé, bây giờ Miss Pé là được Miss được tuyên truyền Việt Nam. Thì dịp Pé là không bằng chứ không bốn lời. Bốn lời đấy, bốn lời đấy, bốn lời đấy. Bác sơ bà, bác sơ bà. À, bác sơ bà. Lê Chú Bánh Sơ. Lê Chú Bánh Sơ, tên là politique. Năm 1984, ông và đoàn sang Pháp là biểu diễn múa rối nước và sáng tác ý. Tức là bố và nhà bố. Bố ấy. Et puis en 1984, son père avec les magnétistes visitaient à Paris et à Rome, en France et en Italie. Và ông là một chuyên gia Việt Nam là avec des spectacles mà là solo. Ông có kỷ niệm tại bảo tàng Louvre một chú tiểu. Il a fait un cadeau pour le musée de Louvre à Paris. Ah oui. Marionnettes. Mais c'est des marionnettes sous l'eau. Oui. Sur l'eau. Spectacle on est sous l'eau en fait. Enregistré. Ouais. Voilà. C'est capté. Bon, messieurs, dames, s'il vous plaît, soyez les bienvenus. Ouais. Au spectacle, on est sur l'eau. Voilà. Ça, c'est le spectacle privé, familial plutôt. Avec deux, trois marionnettistes, ils vont vous montrer le spectacle, on est sur l'eau. Voilà. C'est typique du Vietnam. Voilà. Donc, les marionnettistes, ils sont derrière les stores, comme ça. Et puis, avec des perces en bambou, ils vont manipuler. Les monnettes sur l'eau qui présentent toutes les activités rurales du Vietnam. Voilà. Par exemple, le repiquage, la culture de riz, la danse, la pêche, et puis l'élevage des canards. Parce que chez nous, autrefois, il y a eu beaucoup de renards qui mangent les canards. C'est pour ça qu'il y a toujours les gens qui surveillent les canards. Voilà. Et les activités dans les champs, c'est-à-dire qu'on travaille la terre à l'aide des buffles qui tirent la charrue, la herse, pour retourner la terre, labourer. Voilà. Et puis après, on va faire le repiquage, les riz dedans. Voilà. Toutes les activités rurales au Vietnam. Voilà. Et la culture vietnamienne est liée aux activités rurales comme ça, toujours avec l'eau. Par exemple, on cultive le riz, on a besoin de l'eau dans les rizières pour faire pousser le riz. C'est la variété de riz inondé aquatique. Et autrefois, pour les placements chez nous, c'est sur les rivières aussi, en bac ou bien en radeau. Voilà. Donc maintenant, ça commence le spectacle, s'il vous plaît. Thank you.
C'est tout oui, c'est tout oui. C'est lourd pour manipuler ce qu'elle a des remarques. Par rapport au spectacle oui. Ou par rapport à... Les deux. Voilà. Et bien que c'est très bien fait et le spectacle est vraiment super, super sympa. La musique aussi. C'est très intéressant de voir la culture vietnamienne de cette manière. C'est facile à manipuler. Ah non, ça doit être physique. Hein. Ah non, non, oui, oui. Ça a l'air d'être physique. Il faut être fort. Oh, c'est clair. Ouais, il faut être fort. Est-ce qu'après avoir vu le spectacle de Venezuela comme ça, ça te donne envie de revoir le spectacle oui, deuxième fois, oui. La prochaine fois, je reviendrai. Ça fait un peu loin de France, mais oui.